Max, Max Media, vous m'entendez ? Eh bien oui, bonjour, bonjour à tous. Eh bien, je peux vous le dire, eh bien nous sommes maintenant dans le vif du sujet. Eh bien oui, je viens rassurer les marchés, ça a commencé. Waouh ! Waouh ! Je viens d'assister à la première vague de bombardement, c'est absolument hallucinant ! Un hôpital a été pulvérisé par un seul missile. Et ironie du sort, on me dit que ce missile coûte le prix de cet hôpital. Vraiment, c'est fantastique. La technologie moderne, vraiment, c'est fantastique. Je m'approche sur les lieux du bombardement. Je peux vous dire qu'il y a une fumée hallucinante, incroyable. On ne voit rien. Je trébuche. Oh là là. Oh, oh mon Dieu. Une enfant, une petite enfant prise sous les gravats. Oh, oh, ma première libérée. Oh, ma petite, regarde la liberté, viens à toi. Oui, tu ne rêves pas. Oui, regarde-moi avec ses grands yeux écarquillés. Oh, si vous la voyez, elle est superbe dans sa petite robe à fleurs. Oh là 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 là, mais c'est extraordinaire. Nous assistons maintenant à un lâcher de ballon. Oh, que c'est fabuleusement beau. Regarde, regarde ma petite, oui. Des fleurs multicolores, des nounours en chocolat, des milkshakes. Rendez-vous compte que cette petite fille, il y a encore quelques secondes, ne connaissait pas le milkshake. Oh, et regarde, des médicaments, du sparadrap, du mercurochrome. C'est fantastique. Quand on voit le boulot qu'abattent les petits gars ici, quand on voit la technologie à notre service, on se dit, mais comment avons-nous pu hésiter d'y aller une seule seconde? Bravo les gars, bravo à vous. Eh bien, avant de vous quitter pour aujourd'hui, je vous rappelle, et c'est très important, que vous, dans le monde entier qui ne pouvez pas être ici avec nous, eh bien si vous, vous voulez aussi être à la pointe de l'humanitaire, si vous voulez vous aussi participer à ce combat pour la liberté démocrate, mais également aussi pour la démocratie libre, je vous rappelle que vous pouvez acheter le CD des artistes du monde entier pour redonner l'espoir aux enfants. Et surtout, surtout, qu'il n'y ait jamais plus de guerre sans amour.